Représenter ci-dessous l'ensemble A privé de B, intersection C union B. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire les choses en deux fois, en deux étapes, comme les parenthèses nous le suggèrent. On va d'abord faire A inter B, A privé de B, pardon. Donc A privé de B, je vais mettre A en bleu, je vais mettre B en vert. A, c'est ici, B, c'est ici. Donc quand je fais A privé de B, je pense que c'est clair pour vous que j'obtiens cette lune-ci, là, A privé de B. Et je vais le colorier pour que ce soit bien clair. Voilà mon ensemble A privé de B. Maintenant, faisons C. Hop là. C union B. C union B. C'est les éléments qui sont dans C ou dans B. Il suffit d'appartenir à C ou à B pour être dans l'ensemble. Donc c'est ça. Et je vais aussi le colorier pour que ce soit bien clair. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre l'intersection de cet ensemble qui est en rouge et de cet ensemble qui est en bleu. Puisque ce que nous on veut faire, c'est l'intersection de la partie en rouge et de la partie en bleu. Pour ça, je vous propose de vous poser la question zone par zone. Alors cette petite zone ici, que je vais noter 1, est-ce qu'elle est dans l'intersection? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est à la fois dans la partie rouge et dans la partie bleue? Ben non, elle est dans la partie rouge, mais pas dans la partie bleue. Donc je ne la prends pas. Ensuite, je peux regarder cette petite zone-ci, que je vais noter 2. Alors cette petite zone, elle n'est pas dans la partie A privée de B. Elle est dans C union B, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, il faut qu'elle soit à la fois dans les deux pour que j'ai le droit de la prendre. Donc là, je ne la prends pas. Est-ce que je prends la partie 3? Non, pour la même raison, je ne la prends pas. Elle n'est pas dans A privé de B. Est-ce que je prends la partie 4? Alors ça, oui, la partie 4, regardez, elle est à la fois dans A privé de B, dans la partie rouge, et elle est aussi ici. Donc je vais la prendre. Et je peux la représenter, par exemple, en jaune. Ok. Est-ce que maintenant je prends la partie 5 là? Bien non, la partie 5, elle n'est pas dans A privé de B, elle n'est pas dans la partie rouge. Pareil, celle-ci ne sera pas dans ma partie rouge, et pareil pour celle-ci. Donc en fait, nous avons tout obtenu, je vais un peu plus vite hein, pour la fin, c'est-à-dire que ma partie ici, c'est bien A privé de B, inter, C union B.